Voilà un projet étonnant. Disponible depuis le 15 septembre en France pour quelques euros, YouBrain est une application surprenante, similaire à iDozer, mais bénéficiant d'une approche plus légère et conviviale. Nous avons rencontré Johan Hanolife, son directeur marketing France, qui nous a présenté le projet. YouBrain, basiquement, c'est une application qu'on peut résumer simplement en disant que c'est un player dont le principe repose sur l'écoute d'ondes binaurales mélangées à la playlist d'un utilisateur chargé au préalable dans son appareil nomade. Cette application, elle est multi-support sur donc les appareils nomades, c'est-à-dire Android, iPad, iPhone, on le retrouve aussi sur PC et Mac. Bon, les ondes binaurales ne sont pas connues de tout le monde, une petite explication s'impose donc d'elle-même. Alors, les ondes binaurales, c'est un concept assez simple, mais pas forcément facile à expliquer. Les ondes binaurales, en fait, ont été découvertes en 1839 et prouvées en 1970. Le principe est de diffuser en fait deux ondes différentes dans chaque oreille. C'est pour ça que YouBrain se joue exclusivement avec un casque. Ces ondes, donc, n'étant pas les mêmes, vont provoquer une sorte de déséquilibre au niveau de l'oreille. Et le cerveau, lui, va tâcher de rééquilibrer ces ondes-là. Par conséquent, sur deux ondes différentes, il va les interpréter pour trouver la fréquence médiane. Cette fréquence médiane, en fait, va permettre de réguler l'activité cérébrale. Le cerveau, en fait, quel que soit l'état dans lequel on est, si on dort, si on travaille, si on parle avec quelqu'un, le cerveau a toujours une activité propre qui est traduite par fréquence. Quand, du coup, sur les ondes binaurales, notre cerveau rééquilibre ce qu'il entend en trouvant une fréquence médiane, il cale aussi son activité sur cette fréquence. Par conséquent, selon les fréquences qu'on diffuse dans chaque oreille, on va évidemment influencer sur la fréquence médiane et par conséquent sur l'activité cérébrale elle-même. Donc on est capable d'énergiser quelqu'un ou au contraire de le relaxer. Voire même, on est capable aussi de pouvoir endormir des gens qui peuvent avoir des problèmes de sommeil ou des gens qui ont de gros problèmes de stress aussi pour calmer les anxiétés et ceux qui ont du mal à se réveiller le matin pour aller travailler. Comme souvent pour ce type d'application novatrice, elle ne trouve pas ses origines en France mais aux États-Unis. YouBrain, en fait, c'est à la base une idée de Risa Cohen, qui est la productrice donc avec qui nous travaillons. C'est en fait quelqu'un qui utilise et écoute les ondes binaurales depuis plus de 15 ans. Et justement, elle voulait pouvoir écouter sa propre musique et les ondes binaurales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, certaines applications existent déjà, mais dans lesquelles justement on ne peut pas écouter sa musique. On est cantonné à écouter en fait ces ondes-là, soit seul. Donc il faut quand même savoir que ça ressemble simplement à des buzz en fait, hein, des espèces de buzz auditifs, mais qui ne sont pas forcément très agréables à écouter. Ou on peut aussi donc les écouter en les mélangeant à des bruits de la nature. Voilà. Donc, ce qui n'est pas forcément toujours très dynamisant, par exemple pour quelqu'un qui se réveille et qui a besoin justement d'être boosté. Donc Risa a eu l'idée de travailler ça, de travailler sur ce projet en se disant qu'elle avait besoin de cette application pour elle-même et que par conséquent, ça pouvait très certainement intéresser aussi plusieurs personnes. Elle a donc travaillé avec un développeur américain et une société qui nous permet d'avoir la structure vraiment de l'éditeur, qui est Digital Reality, société hongroise qui a été créée en 91. Le site internet YouBrain et l'application elle-même bénéficient d'une direction artistique kawaii au possible, avec une mascotte en forme de chat, visant d'abord un public jeune entre 15 et 25 ans. YouBrain s'éloigne ainsi autant que possible de la concurrence d'un iDozer en termes d'image et prend ses distances par rapport au concept de drogue musicale mis en avant par ce dernier. Une fois sur le site, tout est fait pour rassurer l'utilisateur et lui permettre de tester les cocktails binauraux de son choix. En fait, à la base, le site permet vraiment de découvrir l'application elle-même. Donc généralement, les utilisateurs peuvent commencer à s'enregistrer par le site. Mais c'est vrai que l'expérience vaut vraiment le coup d'être vécue et prend vraiment toute son ampleur à partir de l'application. Donc un utilisateur va typiquement arriver sur le menu qui propose donc plusieurs parcours. On va retrouver une espèce de quick start en fait qui permet très rapidement de pouvoir écouter, profiter des ondes binaurales et d'une playlist en fait en même temps. Mais il peut aussi typiquement commencer par s'identifier en tant qu'utilisateur, donc être connu par l'application elle-même. On va en fait donc lui permettre de créer une session dans laquelle on va déterminer en fait sa tessiture pour pouvoir savoir à quel type de fréquence particulière il est sensible. La tessiture, c'est en fait la tonalité propre à la voix de chaque utilisateur, soit l'échelle de son émise naturellement par une personne.
Chaque individu a des bandes de fréquences privilégiées en fait. Nous, une fois que c'est identifié, l'utilisateur va pouvoir rentrer dans la partie, il revient au menu, il y a la partie en fait tonique, où là effectivement donc c'est un chemin en trois étapes basé sur I am, I feel, I want, qui va permettre justement de déterminer la situation, quelle est la situation dans laquelle l'utilisateur est, qu'est-ce qui peut éventuellement le déranger, le perturber ou qu'est-ce qu'il voudrait changer en fait, quelle est l'humeur qu'il veut changer et quelle est l'humeur éventuellement qu'il veut atteindre. À partir de là, à partir de ces trois critères, on lui propose un cocktail, c'est-à-dire qu'on lui propose une onde binaurale. Cette onde binaurale, il va donc, il a un petit descriptif, il a un temps de session, il est conseillé justement sur l'utilisation de l'onde et le temps d'écoute. Et cette onde, une fois validée, il va pouvoir donc la mélanger à sa propre playlist. Donc il est évident que quelqu'un qui va vouloir plutôt se réveiller pour partir typiquement au lycée le matin, il sait qu'il a une journée avec quelques examens et que c'est pas forcément facile l'hiver d'être toujours en grande forme, il va donc pouvoir justement définir ce l'état dans lequel il est et pouvoir partir avec de la musique un petit peu up-tempo, un peu énergique, tout en bénéficiant donc de l'écoute des ondes binaurales. Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur cette application encore méconnue, il suffit de se rendre sur le site YouBrain Tonic. Et sachez également qu'une version PSP est en cours de développement.